Ils font la fierté de notre nation, pourquoi pas de tout un peuple. Ils font partie de notre vie. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro des grandes rencontres qui reçoit pour vous Jossa Niokalongo. Bienvenue. Bonjour, Blondie. Merci d'avoir répondu à notre invitation ici à Lubumbashi. Comment allez-vous? Je vais bien malgré quelques problèmes de santé parce que j'ai attrapé un coup de froid la nuit de notre prestation ici à Lubumbashi, comme il a fait très froid. Non, ça commence à aller. En tout cas, c'est pour nous un honneur de vous recevoir. Ce n'est pas tous les jours qu'on vous a ici à Lubumbashi. Dites-nous un peu comment vous avez trouvé la vie. Ouais, nous sommes venus pour une prestation, pour, je dirais, le go d'une fondation. Voilà pourquoi nous sommes là. Il y a certaines personnes qui en ont profité pour nous faire jouer dans des manifestations privées. Saluer le peuple louchois. Bonjour, bonsoir, bonjour, parce que c'est une émission qui passe maintenant la journée. Bonjour à tous les téléspectateurs de Héritage Télévision. Merci aux mélomanes de Zaïko pour votre soutien, pour votre fidélité durant ces 53 ans de l'existence de notre groupe. Surtout, merci aussi aux anciens Kassapars qui ont beaucoup connu Zaïko. À vous voir, à vous entendre. Je pense que vous ferez mieux aussi un bon avocat, un bon architecte, un bon médecin. Pourquoi avoir choisi la musique? Oui, c'est une passion. Parce que avant, au niveau de l'école primaire, ceux de la fin de mes études primaires, j'ai fait la retraite pour aller au séminaire avec un ami et frère qu'on a grandi ensemble, qui est aujourd'hui prêtre. Et comme c'est arrivé juste au moment du décès de papa, et il y a eu un problème entre la famille maternelle et la famille paternelle. Et comme nous n'étions que deux, ma grande sœur et moi, celle à qui j'ai dédié la chanson Manali Pongi. On peut écouter l'extrait de cette chanson. Oh. Atako Kimingana Mokilio Yase, Pepakanga Narizon, Pepakanga Loboko Narizon Pokonyoso, Tango Mokitakai, Oh Manali Pongi. C'est-à-dire, bien que tu m'as quitté sur cette terre, essaie de me dire à chaque fois bonjour, bonsoir, que je vous voie à l'horizon. Elle est partie en quelle année? Et quand le soleil se couche, et le matin, je me réveille avec le souci de la famille, et le soir, je me couche avec le souci de la vie. Elle est Voilà, partie en quelle année? c'est ça. La chanson est sortie en sept ans six. 76. 46 ans après, ou 47 ans, est-ce qu'elle vous manque? Pardon? 47 ans après sa mort, est-ce qu'elle Oui, vous manque encore? ma soeur me manque toujours, mes parents me manquent aussi. Et la famille paternelle a dit non, donc je ne suis pas allé au séminaire. La famille n'est pas assez grande, donc il faut faire autre chose. Il voulait pas que le nom de papa puisse disparaître. Oui, je crois. Je crois. Et là, je suis parti au collège. J'ai fait la section littéraire. Et toujours par manque de moyens. Manque de moyens. Et j'ai dû abandonner les études après quoi. Dès qu'on avait commencé avec les Aïkos, on était encore sur le banc de l'école. Dans ce cas-là, nous étions encore des amateurs. Et Niokalongo est enfant de d'une famille de combien? Et membre d'une famille de combien d'enfants? Maman aussi est déjà Oui, je suis partie. orphelin de père et de mère. J'ai perdu mon père, j'avais 11 ans. Et maman? Ma mère, je l'ai perdue, j'avais 31 ans. Ah, là, vous étiez déjà responsable. Niokalongo est marié, père de combien Je d'enfants? suis divorcé. Je suis divorcé, père de 8 enfants. Père de 8 enfants. Tous d'une même mère. Non. Non. Ok, revenons à la musique. J'ai eu 3 enfants avant. Pendant mon mariage et Oui. les autres 5, je les ai eu après mon divorce. D'accord. Je suis père de jumeaux. Ok, papa m'a passé. Je voudrais que vous vous sentiez à l'aise. Déjà, j'ai aimé, vous avez répondu, vous avez dit que vous êtes divorcé, Suis mais ce n'était divorcé. pas gênant.
Parlons des Aïko Langala. Vous avez commencé votre carrière plutôt le 29, le 24 décembre 1969, 24 non? décembre 1969. Le 29, Le 24. le 24 décembre, donc c'était la veille La de veille, la Noël. veille de Noël. Vous étiez le seul fondateur ou bien il y avait des amis avec qui Dans vous êtes Aïko, décidé de il n'y a fonder ces aucun groupes? artiste musicien qui est fondateur ou qui fut fondateur. Comment Aucun ça? musicien, non. Expliquez. Non. C'est-à-dire, Aïko est né sur les cendres de l'orchestre Belgique. C'était un autre groupe. Comme je vous ai dit, on était encore étudiants. Moi, j'habitais la commune de Djili. Et j'étudiais au collège. Il y a mes amis qui étudiaient à l'ancienne Athénée de Nouvoilà. Et qui avaient des condisciples de classe qui habitaient Kassavubu et qui avaient leur orchestre. Et pendant qu'ils échangeaient, pendant la récréation, et ils ont dit à Percy, parce que celui qui était le fondateur de cet orchestre-là, Belgique. donc à Percy, il est le Zinga, que nous avons un ami qui chante, il chante à l'église, et il chante aussi très bien. Alors, il leur a demandé qu'il m'amène au cours de leur répétition. Et là, il fallait attendre un samedi après-midi. Alors, et nous sommes arrivés, on m'a fait passer le test. Cet orchestre, parce que c'est un orchestre qui n'a jamais resté en public. Hein. J'ai passé le test et je les ai convaincus. On m'a pris comme chanteur. Là, il y avait deux, trois amis, mais la personne qui a continué, parce que la personne qui m'a fait passer le test, c'est notre dernier chef d'orchestre qui nous a quittés, Gégé Mangayane. Celui qui était l'arrangeur de tout et le fondateur, c'était. Zinga. Voilà. Et on a continué au fil du temps, et après on a eu Zamangana, un autre qui venait de passer, qui venait de passer. Parce que Gégé a été, vous a été, comment dire, je peux dire, volé par les jeunes de la Gombe, de Kalina dans les Là, vous temps. parlez toujours des belles guides. De Belgique, là, pas toujours de Belgique. Bon. Gégé est parti, c'était notre soliste. Il est parti à l'orchestre Super Bovin. C'était les cadets de l'orchestre Kusaina. Et là, nous avons pris Zamangana comme soliste. Et Zamangana, comme il était encore joueur effectif de l'équipe Juventus, qui est devenu après l'orchestre de Jana, il n'était pas vraiment disponible tout le temps. Et ça nous a causé des problèmes. On a pris un autre petit du quartier Kassavubu, qui est devenu soliste. Et moi, je venais rarement, comme j'habitais loin de Kassavubu. Et ce 24 décembre, là, il y avait Touzaïna qui jouait chez Kipon Zabar, que vous connaissez. comme j'avais l'habitude, à chaque fois qu'il y avait le concert de Touzaïna, j'ai passé chercher Gégé Mangaya pour qu'on aille ensemble. Cette fois-là, je suis arrivé. Gégé n'était pas là, il était déjà parti au concert. Donc, le 24 décembre, il jouait chez. Là, c'était Parafifi. C'est pas encore Kipwanza. Je l'ai suivi là-bas et j'ai rencontré Marcelin Delo, qui était parmi les membres du comité d'orchestre Belgique. C'est vraiment lui que je peux dire. C'est lui qui a eu le courage, hein, de dire. Enfin, c'est vraiment. Si on doit classer. Le cofondateur de Jaïko, et d'abord lui, Marcelin Delo, lui, il est vivant. Il y a Marcelin Delo, il y a André Bita, il y a Mongombe et il y a Devi Mwanda. Ils étaient tous musiciens. Pardon? Donc, tous les trois sont décédés. Marcelin Delo, c'est le seul qui est vivant. Ils étaient musiciens ou Non, non, il juste n'était pas mécènes de la musicien. Il n'était musique? pas musicien. Devi Mwanda jouait un peu au conga, au tam-tam. Voilà, mais c'était des fouillants parce que le Mongombe, donc André Bita et Mongombe, Gégé, ils sont de la même famille. La famille Akel et la famille Mongombe. On répétait, l'orchestre de guide répétait chez les Gégé Mangaya, sur Popokabaka. Et je les ai suivis au concert de Touzaïna quand je suis arrivé. Et c'est Marcelin qui m'apprendra qu'aujourd'hui, l'orchestre répétait
Et il y a un gars de Matomoju qui a chanté aussi dans l'orchestre Vox Negro, qui était chez lui Tabembo, donc c'est Stokas, qui est passé et il a demandé d'improviser une chanson. Il a chanté à la douce été et il a épaté tout le monde. Et sur le champ, nous avons décidé de dissoudre l'orchestre Belguide qui n'évoluait pas. N'évoluait pas et de créer un autre orchestre. Et sur ce, on a seulement retenu Manok. C'est là Manok qui était maintenant dans l'orchestre Belguide. On l'a pris comme soliste. Mm. Parce que moi, je l'ai vu par deux dimanches. Alors, ça dit, bon, si je dois parler de Manok, moi j'ai eu Manok deux dimanches avant qu'on arrive à dissoudre de Belguide. Alors, comme chaque dimanche, comme j'ai dit, je passais pour prendre le GG qu'on aille à la Périche Bleue. Le GG m'a présenté, voilà, où on a petit ami sur la victoire là, hein. Pedro, habite à Katar, dans un fort dans Rumbaté, un fort dans l'intimidation, donc je vais l'encadrer comme soliste. C'est là où moi j'avais présenté Manok. Et ce 24 là, Marcel me dira, après conseil de Zéna, on a gardé Pedro, Félix et toi comme musicien, y compris Jules, les jeunes de Matongue. Et Teddy Soukam qui était secrétaire de l'orchestre de Belguide, qui jouait à la guitare, donc qui GG le formait à la guitare. Et on a repris, on doit reprendre les Amangana aussi. Okay. Voilà, donc c'était le départ. Et le premier concert, moi, j'étais pas la première répétition. Ce 24 donc, je n'étais pas le là. Le 24 décembre 1969 que tout s'est décidé, que Zaïko a été formé. Oui. Mais il n'y avait pas directement un concert. Non, il n'y avait pas de concert. Okay. Quand est-ce que vous avez livré le premier concert? Le premier concert, c'était le 27 mars. C'était le samedi de Pâques. 1970. Okay. Au Bar Hawaï, sur le Bongo. Donc, il y avait Félix Manok. Il y avait Manok Félix à la guitare solo, Manok Félix et Matima. Matima, lui, c'était pour, on appelait ça pour la musique liée, c'est-à-dire l'interprétation. Mm-hmm. Comme c'était la vague liée, donc de James Brown et tout ça. Mm-hmm. Et soliste, comme accompagnateur, accompagnateur, il y avait Teddy Soukami, Zamangana Enoch. Comme bassiste, il y avait Damien Debo et Oncle Lapus. Oncle Lapus, là, GG, c'est GG qui a fait de lui bassiste. Okay. Parce que quand il est venu dans Zaïko, il est venu dans Zaïko pas comme musicien. On louait sa guitare. Il s'est fait que Zamangana est parti avec sa guitare chez eux à la maison. Et le papa de Zamangana a découvert cette guitare-là et il a cassé la guitare. Il ne voulait pas que son fils fasse la musique. Tout ça, parce que même pour aller répéter, il fallait faire un jeu, donc sortir comme si tu étais dans les quartiers. Moi, je prenais le bus pour aller à Kassavou répéter, donc, puis rentrer. Donc, il est pour Kassavou. Qu'est-ce que vous disiez à maman? Je vais voir les amis dans le quartier 13. Je croyais que j'étais... aux alentours. Oui, aux alentours. OK. Voilà. C'est ça. Et... avec la puce comme bassiste et Damien Debo. Et à l'attaque chant? À l'attaque chant, il y avait Papa Wemba, il y avait moi, Mavuela, Evoloco, il y avait Valentin qui venait de l'orchestre concerto, il y avait Kalema comme chanteur, et il y avait Pela Simba. Pardon, mais lui, il n'a pas apprécié comme chanteur, c'est seulement pendant les répétitions. Le premier concert n'était pas là. Ils sont là? Non, ils sont pas là. Là, c'est Evoloco, moi, Likinga. Là, c'est Papa Wemba. Là, c'est Bozi, Bimi, Gina et Mavuela Somo. Ah, Bozi faisait partie aussi des écoles? Non. Là, Bozi, il était dans l'orchestre de Mizoto Wela Wela. Ok. Bozi est arrivé dans Zaïko quand Gina est tombée malade. Gina est fongée. Oui, quand j'ai est tombé malade, il est parti au village en Bandaka. Comme c'est un ami à Evoloco, et c'est Evoloco qui est venu avec Bozi Bozano dans Zaïko. Nous restons sur cette photo. 24 décembre 1969, le groupe Zaïko est créé. Et c'est après combien d'années qu'Evoloco, nous commençons par Evoloco, il est parti après combien de temps? Evoloco est parti en 60,
14, 75. 75. Quelle a été la raison de son départ? 6 ans. Quelle a été la raison de son départ? Non, 74. 74. Pourquoi il est parti? Oui, il est parti 5 ans après. Gina. Pourquoi il est parti? Pourquoi est parti? Au départ, il y avait, ça dit, sur base de deux problèmes. Le premier, on avait décidé de ne plus céder nos chansons aux autres éditeurs. Avec le financement de Maman Poto par son fils Gérard Poto, on devait mettre sur pied nos propres éditions, les éditions langue à langue. Et eux, ils n'étaient pas d'accord. D'abord, ils n'étaient pas d'accord parce qu'ils avaient déjà un contrat avec Parion. Parion lui avait donné une voiture. Okay. C'est qui Parion? Parion, c'était un autre éditeur. Un éditeur. Quelqu'un qui a édité les chansons du Volok. Ah, okay. Il n'est pas pour moi aussi. De moi aussi. Et c'est ça le premier problème. Okay. C'est là le conflit a commencé. On avait, nous étions en voyage à Pointe-Noire. Et c'était dans l'autocar. On a commencé à parler de cela. Que dès qu'on va rentrer, on va posséder nos chansons à d'autres producteurs. Et c'est au cours de ce voyage, au retour de ce voyage, la veille de notre retour, c'est là où la maman de papa m'a décédé. C'est au cours de ce voyage. D'accord. Il y avait déjà ce conflit-là. Et aussi, Voloko et Manakou, c'était le commissaire de compte et de trésorerie, de deux personnes. Et il y avait des problèmes de trésorerie entre les deux. Oui. Problème d'argent. Ouais, d'argent. Et la plus grande partie du groupe a soutenu Manuako. Donc, le groupe a été scindé en deux. Déjà, à partir de ce problème-là, des éditions, nous, on répétait chez Manuako. Parce que Manuako a affiché un communiqué, je me rappelle encore, là, il a écrit, à partir d'aujourd'hui et de dorénavant, on ne peut plus céder nos chansons à d'autres éditeurs. Bon, voilà, il y avait ce conflit-là. Et les deux ne voulaient pas présenter les comptes. Et comme nous, on savait déjà, il y avait ce groupe-là. Et voilà que le groupe, il suffit. Parce qu'ils avaient déjà... Il suffit le coller. Non, il suffit d'abord. Ah. C'était un groupe où ils avaient enregistré deux chansons. Pardon. La première, c'était la chanson de Bambongo. Et... C'est de Bambongo. Ça va venir. Il y avait des chansons. Ils avaient enregistré, donc, le groupe avec Gina. Comme éditeur, c'était Moulin de Koukoui. Et on savait, on sentait qu'il y avait déjà un groupe qui se préparait. Parce que comme il travaillait avec Fadi Mambing à Yolo, au cours de cette réunion-là, moi, je n'étais pas là. Teddy Soukam, les fondateurs et les autres ont pris parti pour Manoko. Ok. Ont pris parti pour Manoko. Comme Evoloko et les autres, ils avaient déjà pris leurs engagements pour les parler. Voilà, là, ils sont partis, qui est le cas, ici, qui est au coulis. Et Voloko est parti avec Papa Wemba et Bouzi. Et Mavuela. Mavuela est là. Mavuela, Papa Wemba, Bouzi. Okay. Parce que Général, tu parles à Général, là, il était encore malade. Il était, là, ils ont créé quel groupe? Ils ont créé Il suffit le coller. Il suffit le coller. Est-ce que ça vous a dérangé? Pardon? Ça vous a affecté? Oui, c'était un choc. Un grand choc. Ce sont les amis, surtout Papa Emba. Même le vieux DV. Tous les comités du groupe n'en croyaient pas que Wemba, qui est le détonateur de ce groupe, pouvait quitter ce groupe et partir créer un autre groupe. Ils sont partis en 1975 pour former le groupe Issifi Lokole. Oui. Zaïko est resté avec Nyoka Longo. Oui, là,
Parce que là, déjà, il y avait aussi un problème. Un problème parce que moi, j'étais avec Papa M. Et Bimi, c'était notre batteur, notre drummer. Bimi Ombale. Bimi Ombale. C'était un drummer. Oui, Bimi, c'était un drummer. Était un drummer. Ok. Un batteur. C'est lui, notre deuxième batteur. Parce que le batteur, notre premier batteur, c'était Bodo Michou. Et l'un des amis de Papa Mba, qui lequel Papa Mba avait accompagné. Parce que ce sont des cousins de Jojo Mangaya. Comme ils étudiaient en Europe, ils sont venus pour les vacances. Et ils devaient rendre visite à leur tante, la maman de Jojo Mangaya. Et Papa Mba les a accompagnés. Et c'est là où Papa Mba s'est retrouvé avec l'orchestre Belguide en train de répéter. Voilà. Donc c'est Bodo Michou qui était notre premier tourneur. Bimi, on le sollicitait parce qu'on se retrouvait tout le temps au Périph. Pardon, à la Périph Bleue. La boîte où là où jouait Touzaïna. Ok. Alors, comment chercher un batteur qui est vraiment doué. Jojo Mangaya le devait. Courait après lui, il ne voulait pas passer. Il faisait partie de notre orchestre de Kassavou. L'orchestre Zizi. Bimi est arrivé dans Zaïko 3 jours avant notre première sortie. C'est là où il était vraiment convaincu. Quand les gens de Kassavougou et de Matongé venaient assister à nos répétitions, et comme ils savaient qu'on va sortir, dans 3 jours, il y avait nos affiches qu'on faisait avec des marqueurs ou des papiers, dans le temps, des papiers scintillés, comme on appelle aujourd'hui des photocopies. Oui, ouais. Ok. C'est là où il est venu 3 jours avant la sortie du groupe. Mais comment est-ce qu'il a quitté de la batterie au chant? Oui, parce que lui, il voulait devenir chanteur. Ah. Les seules personnes, les seuls chanteurs qui étaient d'accord, il y a Gina Efong et moi. Les autres étaient contre, ils ne voulaient pas qu'il vienne chanter. C'est là où il y a eu cette fracture entre moi et Papa. Alors qu'il avait une très belle voix. Oui. Pourquoi ces refus? Mais comme les autres ne voulaient pas, et comme il y avait notre aîné père à son âme, Tony Di, ce sont les aînés que nous avons fréquentés, lui aussi. Vous avez Tony Di et le feu Vimax Mongali. Mm. Tony Di, c'est lui le compositeur de la chanson Eka et la chanson Imminence. Mm. Et comme le avez Tony, parrainait le groupe Tabou National de Lingwala, la commune de Lingwala, avec Espérant, Kané, les Popolipo. Popolipo était la coopérateur de ce groupe-là. Et Bimi, on l'a pris comme chanteur là-bas. Et c'est après qu'il a fait son retour dans Jericho. Comme le VDV s'entendait traîner avec le Vétoni, le VDV a dit alors, le Vétoni, non, il a récupéré le petit Nangana. Elle va récupérer, moi, qui n'attaque son. Bimi Ombale a un paraguito quand on a qui banne tous à quoi yokai. Soto rebito comparé voit na ya Josan yokalo. N'ango reconnaître en facilement. Oui. Bimi la voit na ya na dinga na ya. Josan yokalo ngazana na ya dinga na ya. Et dans mon tour soit dans la photo. Likinga Redo. Likinga Redo. Likinga non? Likinga Redo. Oui. Yaya qui n'a boule à nous dans un Likinga est dans ma séparation. Tant que ma cousine là, il s'est fait le coulé. Bisso, Totikali. Et tant qu'on va créer, Totikali a deux chanteurs. Ngaï Nabim. Ok. Bah, ma boule à nous, Bimi était novice. Ok. Bimi était novice à tant qu'on a. Bien que je ne sais pas si je suis là, 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 Claude. Ah, il s'appelait Claude. Non, je suis là, 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 je chanteur, il y a tout Zaïna, mon poids. Orchestre de Jojo Mangaya, c'est vrai que tu as pensé à tout Zaïna avant vous, avec chanteur là. Comme Jojo Mangaya, il avait toujours ce son des Aïko. Il est toujours habitué bien à communiquer dans le jazz. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps.
j'ai quelques concerts et j'ai demandé à ce que, pour se retirer de la ville, pour bien préparer le groupe. Je suis retourné entièrement en Ancilé. Et, parmi les messieurs à Zaïko, il est qui a venu à nos concerts. Mais surtout que le concert, il n'a plus pas pour moi. Parce que moi et papa, et moi, nous étions des fans de ce trio-là, du papa de. Il n'a plus pas pour moi. Ok. Donc, Papi Tex. Papi Tex. Pépé Calé. Naya José, Dilo Dilo Mono. Ok. Et il m'a fait un petit moment là. Et King aussi était fan de ça, parce qu'il venait à concert de Zaïko. Et comme il avait comme ami Edo Mouta, et Edo Mouta Mouta, il a mis ce matin maintenant. Le King a donc hier à Zaïko, il est prêt. Pourquoi la patronne va qu'il y ait à Zaïko? Et c'était pas facile. Le temps aillé, donc il arrive à mener ce pépé calé, au Tababongo et tout. Là, il est venu. Il est venu nous rejoindre la Makina Bissot, l'ancien. Alors, pour commis, Ngaï, Bimi, Lingilinga, Likinga et Mbuta Machakodo, vous avez un chanteur, il y a la population de la Banzi pour la jeune femme. Ah oui, il y a une danse d'ailleurs. Parce que tout le monde a voulu briller la danse d'ailleurs. Il fallait que vous le connaissiez comme remplaçant, oui, oui. Oui. Concurrent donc, notre soccer, c'était Mbuta Machakodo. Mbuta Machakodo, oui. Ah, nous avons Mbuta Machakodo, à comme on a la rumba, à pousser là. Et on a essayé avec notre autre chanteur qui chante avec Mbuta. Personnellement, Pierre Koumou, mais lui, il a eu un peu de temps. Voilà. Mais, il faut le faire, Jules Chung, mais tout le monde a quitté Claude Bousse. Non, J.P. Bousse. J.P. Bousse. J.P. Bousse, il est après. Je suis pas vu ça avec une. Ma casse à Pawa. Avec une chanteur, ok, c'est Pamba Pamba. Ok, c'est à. Il y a Zakina Université à Lubumbashi. Mais comment il pratique à Zaïko? Et l'un de nos aînés qui fut président, et à Zaïko, le temps de mandat qu'il attend à Bamboyemba, le vieux José Kileba, a étudié ici, avec donc on a Aïbeg Jipemousse, avec Petit Naï. Et Petit Poisson, moi, tu es bourgeois, a étudié aussi dans la casse à Aïbeg Jipemousse. Et quand je vous disais, il y a quelque chose à ça, à quoi il y a un orchestre c'est Oka, qui était. Bakadiana, c'est notre pépinière. Et pas Ibana, Baba, Baba Carlito, Bamalage. Ah, ok. Badouga, nous l'appelons la Koumaki, et Kouimana, l'orchestre. Voilà. 24 décembre 1969, 24 décembre 2022, ça fera pratiquement 53 ans. 53 ans. Tout le monde est parti de l'orchestre. Seul Nyoka Longo est resté le gardien du temple. C'est quoi ce secret de longévité? Est-ce que vous avez déjà vu. Un père abandonner son fils ou sa fille. Bazali. Bazali. Comme je le dis tout le temps, ce que je suis, c'est d'abord mon Dieu, mes parents et Zaïko. Nyoka Longo. La plupart des groupes, surtout Panabison en Congo, et pas Nzanaka suite à Mamambon. Suite et Mamambon. Oui. Est-ce que ça a été le cas de Zaïko? Notre groupe Zaïko d'abord, départ à Liboso, il y a. Parce que, au lieu de trouver un français, hein, quand je vois Abdou Otamedia vous parler, la première dislocation, non, il n'y a pas eu la vie. Il y a Liboso qui dislocation, t'es. Il y a seulement ces chanteurs qui sont partis. Le cœur de Zaïko est resté. Maintenant qu'on est resté, ma team est restée, tout le monde est resté. Elles sont Papa Emba, Evoloko et Bozi, qui étaient arrivés après, qui étaient partis. Il y a qui les joueurs de santé. Ah, ok. Il y a tant de personnes qui sont partis. Ah, ok. Et bien, même si, il y a qui d'abord, les Kambouyaro, il y a l'édition, Makamambo, il y a qui, en général, parce qu'ils n'ont pas rendu leur compte. Maintenant qu'on a Evoloko. Et Makamambo, il y a. Il est comme un éditeur. Il y a maintenant autant de recueils, tant de gens qui ont fait la 80 ans, il est comme un bon côté. Qu'est-ce qu'il y a comme bon? Maintenant qu'on a vu les Camounines, maintenant qu'on avait créé un Zaïko dans Zaïko. C'est-à-dire, c'est Jean-Michel et Zalakimaïlika. C'est là où on répétait.
La commune. Bendal, Maïlika, comme un gosse. Le sirop, c'est pas ton banal, Maïlika. C'est notre siège. Mais maintenant, pour s'arranger, il faut faire répéter. Ma mission, c'est que c'est moi. Quand Bazo Mali, Boutassa, sa paix à son âme, on arrive à voir, on peut être un peu brillé. Bah, yenga yenga, nous avons tous avec collaboré naie, notre frère Otis Mbuta, va vous répéter et pas y pas y aller maintenant pour nous retrouver. Donc vous allez la répétition vous êtes asa vous êtes, asa répéter pour moi. Et ma côté studio, nous avons enregistré 16 chansons et parmi ces chansons, il y a eu la chanson Révélation qui sera un succès et Otis Mbuta. Et maintenant. Ah d'ailleurs bon d'abord salam. Et à il a commencé à faire des concerts au nom de Saïko. Sans raison, papa. Sans que Michel Toyeba. Sans raison. Vous assure. Bah, assure quelqu'un a créé groupe à côté. Non. Il y a toujours une raison, non? Non. Quelle raison? Il était le chef d'orchestre. Moi, j'étais le sous-chef de l'orchestre. Quelle raison? Raison est une. Nganaï, tu aussi m'as monté. Viens, moi, je me suis dit, 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 alors, et pour ça, là, il faut le compter avec Zonga, ma Saïko. Et si tu n'as pas fait le compte? Non, là, il faut une parenthèse. Oui, oui, Fongo. Là, il y a un bisou, il y a un défi, il y a un défi, il y a un défi. Et pour le côté parti. Mais il y a un défi, il y a un défi, il y a un défi, il y a un défi. Pour que l'évolution à la Saïko, l'évolution à ça, là, du monde n'a pas eu l'intégration. Pour nous répondre à Evoloko, il fallait signature à deux mandats, le fondateur, co-fondateur, le fondateur, signature à directeur administratif, Olemi Echa, personnel, signature à mon chef d'orchestre, ma signature à nos calomos, chef d'orchestre. Et Evoloko a commis lettre à eux. L'être à Ekoti et père directeur administratif Olemi Echa. Fondateur devait signer, Olemi Echa a signé, Manuaku a signé. Et tu crois signature, il y a Nyoka Longo. Ngaï, on devait aller jouer, enfin, on allait jouer, tout le monde en autocar. Tant on a voté car on a écrit à combat les pharaons, Nama Ilikawana. Pourtant le bêta fait du bureau la présidence. Bah présenter une lettre. Il y a des morts, il y a réintégration, il y a Evoloko. Et j'ai interpellé sur place le vieux DV Manuaku Naolemi, le directeur administratif. Pourquoi? Mais quand on a dit ce qu'on a répété tout le temps, on a dit, ça veut dire quoi ça? Il y a une lettre. Et puis, il y a une lettre, il y a une lettre, il y a une lettre, il y a. Ça veut dire quoi? Donc c'est pour dire que il y a une lettre, il y a une lettre. Il y a une lettre, il y a une lettre. Dieu m'est témoin, je vais vous dire. Mais maintenant qu'on a vivant, eh bien, Dieu m'est témoin. Et moi, je leur ai dit, au moni, et vous l'auront, n'est-ce pas, 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 n'est-ce. Yo Pépé. Ce que je veux dire, c'est que d'abord la compétition est confiée à Binomi Valley pour
parce que ou là qui me au moins pour rendre compte exalté. Et maintenant tu es le premier parce que tu es toujours parti na yo. Comment tu toi tu peux maintenant te permettre d'utiliser Evoloko dans un signe na yo pendant que moto à Kassai Group na moment c'était lui à cause de ma camionne et tout. Donc pour nous c'était comme maintenant que nous avait trahi. Voilà pourquoi le vieux DV. Je suis revenu à concert le samedi. On habitait Yazana Djoulou, on habitait Fané Lapoy. À Kassavubu. Kassavubu. Il vient me voir à la maison pour dire que ce serait le samedi ou à Nouakamango. Parce que le dimanche avant, je suis revenu après le concert. Après le ministre, on a dit voilà. Je suis revenu au concert avec. Oh, quand je suis revenu au concert, bon, hein, pour la nuit. Et bien, nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que c'était une information vos yeux sans effort. Nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu pancarte, nous avons vu que 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 nous avons pour tout dire, vous savez, que à très vite, parce que ce que m'avait donné pour moi, qui n'a qu'à la caille, qu'on fait une évolution, donc comme édition. Donc, pour te isoler, on doit révoquer tous ces musiciens. Oui, bah, c'est ma oui, un peu ce qui va y a, raison pour laquelle on avait révoqué. N'a évolution, n'a pas de tout ce monde-là. Et c'est moi qui ai fait ce communiqué. N'a t pas compris qu'il le 15 au Luansi. J'ai fait ce communiqué avec l'autorisation, la demande, il y a des vraiment parce que j'étais le sous-chef de l'orchestre. Ok. Bah, nous sommes dans l'émission le 15 au midi que, bah, le monde va me dire, bah, maintenant, quand on m'occupe, pourquoi on m'a dit, faut pas zonga. Ce moment, j'ai été et pas le monde. Non, comme peut pas zonga quitter, pas sa ligne. Oui, non, 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 ok. Tout le monde est là maintenant. Parce que pour nous, je dois vous dire la vérité. Pour nous, maintenant qu'on est parti, pour moi, il y a une catastrophe pour l'orchestre. Pour moi, maintenant que pendant 3 jours, et pas avec M. Mouba, pour faire personnellement lever Chibos dans ma campagne. Pendant 3 jours, mon nom est à bon, y en a posé ma condition. Lesquelles? Non, d'abord, tu as dit que tu es au Kani. Que tout ça là, un comité, VDV, a gardé ce sous, a qui prenne la fondation là, a la gestion orchestre, tout petit par ordre d'arrivée, Nani, Télé Soukam, président, Manoko, vice-président, Révi Jangaï, deuxième vice-président. Et quand tombé qu'il y avait le mariage de la première fille de feu maréchal Mobutu, sa fille Marie-Louise, qui devait se marier à Palais du Peuple. Donc, à réquisition en présidence. Et sur ça, lui, le chef d'État a le but qui a mis comme on a Zaïko, la forme Naro. Vous devez jouer la forme Nabino. Alors que Batoumoussou si Bakine. Voilà, le film message n'est pas à grand maître Franco. Ok. Comment on devait jouer avec lui. Merci, mon ami. On a vu, bah, il y a un film qui est un dingue, Bozali. On a vu, il y a un film qui est un dingue. Mais non, c'est un film qui est un. Et puis, il y a le président. Président. Les amis, en tout cas, n'a pas eu du peuple, on a joué la forme Nabino. Et après le concert, Batine Rousseau, un vieux à nous, il s'est passé encore vivant. C'est même la personne qui était notre intermédiaire avec les avocats de l'Etinga, qui chargeait d'affaire l'ambassade de la Bissau, la Portugal, le vieux Motingo. Elle est comme ambassade à podium, à Bignoco, Manoap, et Voloco. Maréchal a lobby à ça ici, il va couper un minou. Franco, bah, surtout, bah, beaucoup ne pas Franco, on a un de toi. Où c'est la réunion, où il y a besoin. Ceux qui ont besoin de comme même dans la réunion, on a beaucoup de la caméra pour qu'ils écoutent à
Là, c'était le samedi, okay. Après le concert. Mm. Le dimanche, on s'est retrouvés dans un, deux, trois, dans la réunion. Avec tous nos aînés là. Mm. Les Franco, les vieux Bukelo, les Wayon, les Papa Wendo. Tous nos aînés. Au cours de cette réunion. Par le but, tout le monde, comme il y a un aîné, on a tout expliqué. Le monsieur tourne à taquer. Ah, le bas, aîné, pour te voir ensemble. Ah, le bas, aîné. Ceux qui le voient, ils vont te poser la question parce que lui, il nous a trahis. Alors, je vais t'en penser, mais il va commencer à écouter. Est-ce qu'il y a des choses? Maintenant, quand le but, il va te créer des gestions à l'orchestre pendant 3 ans. Et après? Après, ils sont revenus, non? Faut-il que je sois fait pendant 3 ans? Faut-il que je sois fait pour se concerter? On s'est concerté. On s'est retiré dans la vie privée. On va dire que je suis fait pour se concerter. Dans le cours de Soussou. Je suis fait pour se concerter pendant 3 ans pour elle. Depuis ces 3 mois, tout à l'heure, je suis fait pour se concerter. Elle se réveille. On va se faire. Tout ce que je veux dans la réunion là. Comment ça, il va pour le pari? Il fait ça à la qui de droit. Tu es plus son gagne. Dimanche, à mot. Parce que sur le lot, on avait un concert, Barbara Verkis, elle a qui n'a rond-point victoire. Je sais pas comment on a. Bébé Santé. Non. La rond-point victoire, Barbara okay. Lacroix, elle a là. Je sais pas comment on a. Vis-à-vis. T'es vis-à-vis, t'es. Okay. Vis-à-vis la ligne, la rond-point victoire. Comment on a eu le concert. Et Barbara Verkis. Puis, bien sûr, tu as un concert de vieux, là. Barbara, il faut que tu aies un autre surtout. Entre temps, pendant ce temps, nous sommes aussi en Oxy comme soliste. Tu pars à l'Oxy. Je veux dire, tu as un bénéfice pour moi, je veux dire, tu as parce que hier, tu as dit, hier, il y a un travail, pour que tu aies un son ensemble. Comme la conseillère, on a, alors qu'elle dit, l'Oxy a bêté. Je veux dire, non, toi, tu es parti. Au son, il y a un donc, là, tu as un son, 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 tu moi, je veux dire, moi, mais moi, c'est quoi ton vrai problème? Caprice, dictature ou quoi? Pardon? Pourquoi il n'y a qu'à oh, hier, il n'y a qu'à l'hôpital? Voilà, mon conseil n'a pas tout le monde. Hein? Mais d'abord, on peut se faire comme moi, il y a un Seiko. On se fait comme un Seiko. Donc, on a un autre pour un Seiko parce que tu es parmi, tu vas créer un Seiko. Tu es parmi les premiers Seiko. C'est Seiko, on va voir. C'est un titre qu'on a passé à la personne de moi. Autant de dire, je suis un peu. Je me suis dit, comment il me dit, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, c'est ça qui est méchant. C'est un peu de temps, c'est un peu de temps. Donc, tu l'as lu le lendemain matin, à la une, il y a un journal Salon. Un grand titre. L'homme avocat du Franco donne son feu vert à Manon Kouak de créer son orchestre. On s'est retrouvé à la répétition, on n'était pas là, on a répété, c'est lui qui m'a tombé dans ma musicien. Voilà, c'était ça le départ de mon oncle. Donc c'était vrai, les grands Franco a autorisé la Manon à faire. Là, c'est entre mon oncle et les grands Franco. L'homme qui n'est pas là, paix à son âme. 1986, Zaiko Langa Langa va au Japon. Contact avec Zahindemi. Bisotouzan à Congo. En fait, les contacts avec le monde oriental à l'époque, c'était oui. Pas tout facile. Mais comment est-ce que Zaiko s'est retrouvé au Japon? Zaiko a créé le Japon. J'avais un ami, un fan de Zaiko, un fan de Josa, qui était le chargé d'affaires de l'ambassade au Japon. C'est un affluent de la musique à Zaiko. Okay. Et il y avait des Japonais aussi qui venaient à Kinshasa, comme un photographe, là, Toru Sankai, qui compte de tous les musiciens, qui faisait nos photos, qui envoyait. Il y a Papa Mba, il y a Viva la Musica, alors qu'il y a au Japon, on a un Japon qui a envoyé Baki. Et l'ambassade a envoyé Baki. Et c'est chargé de l'affaire là. Le jour de mon mariage, je suis allé à Kitaraï, à Yaka, à Ibinanga en tout cas, il y aura un festival. Et pas la plus chose, un festival entre le Japon et l'Afrique. Ça sera le Maroc, les Zaïre et la Côte d'Ivoire. Donc, on a dit que Bazabino, la civilisation de sa culture, Bazabino Zaiko, pour que nous n'y ait. Et c'était parti comme ça. Nous avons fait Zaiko, le festival, on a. Et on s'est retrouvé avec un groupe marocain, Zilala, et la reine Pélagie, la Côte d'Ivoire, et Bissot Zaiko. Mais ça a un impact sur vous, les musiciens.
C'était un grand festival, hein? Parce qu'on a joué dans plus de 6 villes japonaises. À Sapporo, à Tokyo, Osaka. Et le titre d'un des premiers albums de Miyazaki, Nippon Banzai. Oui, c'est moi qui ai donné ce japonais. Titre. Nippon Banzai, c'est bonjour. Ah, c'est bonjour en japonais. Oui. Ok. Bon, c'était juste bonjour le Japon. Pour rendre hommage à la japonaise. Le Japon, oui. Ah, Nippon Banzai, bonjour. C'était une manière de dire bonjour oui. Le Japon. Total les photos. Tomoni Nyo Kalong Wazana Kwan. Oh, Alandi Nyo Kalong Wazana. Non, le Nippon Banzai, c'est au Japon, nous voici. Ah, donc c'est pas bonjour le Japon. Oui. Ah, donc nous voici. Mm. Ok. Après Nyo Kalong Wazana. Là, c'est l'album à Nippon Banzai. Pardon? C'est l'album, la photo, c'est qui n'a pas. Oui, il n'est pas photo à Nippon Banzai. Après, nous parlons de Zanen. Après, là, c'est Bimyombalé. Après, Bimyombalé. Théodore Dindoyogo. Ah, il s'appelait Théodore. Oui. Et après, Théodore. Claude Leng Leng. Il a combiné un minage en bon et pas laïe. Bah, dimanche, c'est pour le nec de classe. Ok. Après, c'est un bon mini. C'est pour le nec de la classe. Bah, le combiné à maman de l'État. Il y en a qui là. Et quand on est dans le quartier, le commune en Jili, il y a un boom. Il y a un gros succès, il y a un Kobantu, il y a un super baka. Il y a un combina. Il y a un danseur, il y a un qui ne sait quoi. C'est vrai, dans le lobby, aujourd'hui, on a bien, malgré l'âge, on a c'est longa. Mais est-ce que selon Yomo, comment on sentir déjà quoi de l'âge dans notre tonayo? Mais si comme ça, on a peint les autres Kokango sauté. Non, peut-être. Âge aussi. Âge, mais nous sommes dans le parce qu'il y a certains pas. Peu de fait, nous sommes en la tête. On a un coco, les autres. Mais on a un coco. Hein? Donc, il y a certains parce que la danse, il faut. On a permis de faire monter à Zoumine à ma casse. Ah oui. Là, on a un amour, on a permis de faire monter à ma casse. C'est ça. Mais et puis, on a bien un mot. Qu'on puisse me donner assez de jus. Oui, oui. Hein? Donc, il est qu'on a pu s'en aller. Mais la période où on a Bazaïko, il y avait yo, Bimyombalé, Mboutamachakado, Baliking, Anani, Azaki, les plus grands danseurs. C'était toujours Nyo Kalong ou bien Lengi Lenga, Bazaïko, Abandonti, au moins fois pour spectacle dans la bien. Claude Bermuda, Claude Bermuda, il y a un bon danseur, Lengi Lenga. JP Bousso aussi. JP Bousso, c'est. Moi, dame, dame. Moyen. Nandi, Omoni, Oyibi. C'est mon frère. Est-ce que vous pouvez nous parler de lui? Mon frère, mon grand frère. C'est mon grand frère. C'est l'un des mauvais jours de ma vie. Parce que je serai Naïmi. Avant Cambodge. C'était le jour où la porte au soleil des mini et la miracle. C'était le jour où toujours qu'on est composé Pierre Thomas et Abim Yombali. On habitait dans le même quartier, enfin, son voisin. Il m'a appelé à Pinagari, au Kenya, au Réunion, dans sa présence, au Zélanaï. Pour le général Moko. S'il vous plaît, vous pouvez vous dire que vous avez un peu de temps. Oui, il y a un peu de temps. Moi, je suis avec mon et il y a notre ami, Félix Longarou de Maïlo. Il est avec nous ici. Il a besoin de tout ça. Il a un peu de temps. Alors, lui, il est tout bien. Il est tout bien. Il est tout bien. Il est tout bien. Et il y a Fanny de Bousso. Il est tout bien. Il on commençait à parler de nos anecdotes, de nos débuts, on a besoin de recevoir ce matin. Et il m'annonce la nouvelle qui est à Outre-Bouta. Ok. L'Outre-Bouta. Maman, on a un âge. Il m'a donné date à mon c'était une jeune fille. 18 ans. Oui.
Moi, personnellement, ça, ça m'a énervé. Vu son âge. Mais comment on va voir? Moi, la douce. Tant que je sais pas, à ce qui est comme ça aussi grand. Et à M. Kouli. Faut demander mon travail. Il y a qu'un rabot. Oui, mais c'est bien. Non. Là, d'accord, on entre parce que là, on peut encore marier au space. Dans la zone. Oui. Et avant ça, la voix, j'allais voir qui la maternité à vivre. Après, il y a deux, trois partout dans la peau qu'on mange ensemble et tout cela. Et c'était au moment où, pendant ça, il y a eu, il y a reçu la structure au moment et moi, je n'étais pas d'accord. La structure là parce que ça sent l'hypocrisie qui règne dans le milieu de la vie. C'est pour faire ces gens de structure même qui est pour genre battre au bazar conflictualité. Pas avec tout le monde parce que ça ne servira à rien. Quand un jour on va venir, il m'a envoyé un message, un SMS. Un président, je suis à la repose de voyage. Il m'a tellement évité. Mais la clé, la raison, moi je lui ai répondu. Ma clé mieux au thé. Et après, il y a un jeune homme, mais la clé est toujours salariée. Tout le monde a la clé. Je t'attends, attends le tour. Pour ça, tout le monde a la clé, on va manger ensemble. Tu me diras, la zone de Bordeaux, c'est la première chose. Sur la soirée, on a eu. Où j'en ai ma canapé, où ça n'a pas réponse à bien, il y a un peu ça. Il y a un peu ça. Il est parti. Et j'apprendrai que il est tombé malade. J'ai appelé notre soeur qui me mangeait, Marie-Laure. Marie-Laure me dit là, non, elle a savé qu'elle a pris la malaria. Et puis, il va venir à Paris, à jour maté, il va venir voir Marie-Rose, à jour maté. Dans autre moment, il y a d'autres, il y a pas de contrôle vraiment, et ton frère a dans la pour moi. Et dans ma zone, avec la conserve, il y a un sapeur de pas aller. Ce jour-là, je dors dans mes campagnes, puis j'en sais, comment va ça, à garder mon Mais qu'est-ce que vous lui avez fait pour que vous me disiez comment tu peux me faire ça? C'est pas de ma faute. Parce que ma belle m'a proposé à ma tête. Ma belle m'a proposé à ma tête. Ma belle m'a proposé à sur le fond de mon monde, avec les esprits, deux sur la tête. BG. La BG est sur ma naïve. Elle m'a dit, non, je ne m'en bats pas. Mon père, c'est toi. Tu es venu à une équipe de bataille. Maintenant, la BG est venue au bataille. Mais bon, quand tu es venu, la raison m'a suivi. C'est ça. Pour que tu aies un peu de choses. Maintenant, deux jours m'a suivi, dès que tu as pratiqué, là, pour me défendre, je ne suis pas là. J'ai une émission à faire. On a connu, la monnaie a joué dans la structure.
Je suis la première personne qu'on a annoncé la nouvelle par Marie-Laure. Connu, malheureusement, que je trouvais ici dans l'Umbashi, dans Asalfo, avec Marie-Laure. Moi, comme d'habitude, je me suis réveillé vers 5 heures pour m'appeler ma prière. Avant d'aller là, j'étais à Asalfo, à Facebook, Internet, quoi, s'il y a un message ou quoi. Et je vois que Marie-Laure a posté que Papa Mba s'est écroulé en pleine scène. La Kati, j'appelle maman Marie-Laure. Alors qu'est-ce qui se passe bien, président? Mais dès qu'on a vu, on a dit, ça y est, il va avoir un rapport qui n'était pas mon abou. Mais si on a dit, non, écoute maintenant, là, on a Cornélie, là, ça le faut, on a une ambulance. Là, on a appelé, c'est là, il y a l'hôpital. Et comment ça? Tiens-moi au courant. Bah, 15 minutes après, je vois ma mère qui appelle. Je décroche. Au cas où. Elle me dira que nous, c'est Yamari. Nous, c'est Yamari. Donc, Yamari, c'est Amazon. Et Marie, là, je ne sens même plus mes jambes. Je ne sens même plus les jambes. Je ne crois même pas qu'on quitte la mec. Que son mari est bon. Ma mari est bon. Attendez, j'ai un Luka Abe Koko. Donc, c'est un peu Abe Koko. Mais on a bien eu comme ça, Abe Koko, il va venir à Koko. J'ai appelé Abe Koko. Ça ne passait pas, tout le monde est allé à la messe. Dans la Kati, Marie qui m'appelle à Babi Yaya, Kende, Azul Raka, Bobi Yaya, Jésus, Kende, Azul Luka. C'est là où je suis. C'est le chemin pour aller jusqu'au point. Lukinga a fait la prison. Oui, après sa prison, et ça l'a passé pendant la certaine réalité. Parce que je suis allé à la maison. Contrairement à ce que je disais, il y a des gens qui sont dans cette prison de la prison. Non. La personne qui a tout fait pour que le king ait la prison, c'est moi. Personne d'autre. Personne d'autre. Personne d'autre. Personne d'autre. Dans l'épisode de la famille, elle est. Personne d'autre. C'est moi. Le king est en prison. Notre ambassade, le chargé d'affaires, c'est toujours notre vieux là, Moutinga. Celui qui nous a annoncé que le maréchal Abissou Gomité était chargé d'affaires de l'ambassade nationale à Portugal. A eu un contact, avocat n'a eu pas trouvé une ambassade. Et puis Moutinga m'a envoyé la carte de visite d'avocat. Avocat a eu besoin de caution. Il y a autant de Portugal, mais ce coup de quoi. Pour vous apprendre des kings, pour la caution. Et c'est moi qui ai parlé
convaincu notre mécène Gustave Bongongos avec son homme Marcel Mounoui qui vient de nous quitter, paix à son âme, que il peut sortir de la prison, va recevoir la caution. C'est moi qui ai mis en contact le vieux Moutinga, notre chargé d'affaires, notre ambassade, en contact avec Marcel Mounoui. Il est le chargé de mission de Gustave Bongo, de Ngos. Pour qu'il y ait Portugal, on fout à bon à caution, le King a mis ma prison. Tant que le King a mis ma prison, avec toi, moi, je n'étais pas ici. Toi, famille a dit à nous profiter pour lui tenir un autre langage. Et il m'a promis que ça va être tenu, ça va promis ça va. Petit nom, ça va être comme ça, va battre dans la nuit. Didoyo. Didoyo. Je veux que vous parliez de Didoyo. L'homme à la voix cassée. Didoyo, mon Théodore. Théo, d'abord, c'est un jeune frère du collège Albert Premier. Albert Premier, c'est le collège Boboto. Je suis collège. Après mon raté, pour aller au séminaire, je dirais mon parrain, c'était le vice-provincial de Perskut. C'est qui tu sens? Le père Gabriel Bell. C'est lui qui était un peu déçu que je n'ai pas pu aller au séminaire. C'est lui qui m'a recommandé, m'a fait une recommandation, que je suis parti voir le recteur. Là, c'était le père Dubois. Les collégiens doivent le connaître. C'est lui qui était le recteur du collège Albert Premier. D'abord, un jeune frère. Et c'est un garçon que j'appréciais beaucoup. Quand il a commencé avec leur groupe Le Maquis, avec leur chanson Tumbolangwaka. Parce que c'était lors de la première sortie des écoles en langue à l'étranger. C'était donc la première sortie. En 76, nous sommes allés au Togo et au Ghana. Et c'est là où nous avons découvert, bien que la chanson Tumbolangwaka faisait fureur à Kinshasa, et là aussi, Tumbolangwaka faisait fureur au Gabon, au Ghana. Exactement de quoi est Tumbolangwaka? Tumbolangwaka, c'était souvent le titre de la chanson, hein, et il citait beaucoup plus son fils, Lola. Ah, c'est pas mon qui lui a changé? Non, mon qui lui a changé, il est venu après. Ah, ok. Et Tumbolangwaka, oh Lola, c'est son fils. Donc, c'est quelqu'un pour qui vous gardez très bons souvenirs. Oui, j'apprécie beaucoup, beaucoup. Même quand il est allé, quand on m'a dit qu'il voulait venir à Angéco, je n'ai pas hésité. Et aujourd'hui, vous avez son fils. Dudogo n'avait pas passé un test comme les autres chanteurs passés dans ces cours. Pourquoi? Parce que c'était une recommandation. Yogo est venu, comme j'ai accepté, il est venu au cours d'un concert chez Maïlika. Il est monté sur scène. Il a chanté comme s'il était déjà dans Zaïko. Nalingo bete la vie histoire en disant mon assoko est bien. On a dit Zaïko, dans les boulets d'ailleurs. Deve Azalaki, un grand fanatique de l'orchestre bantou de la capitale. Brazzaville, un orchestre de Brazzaville. Un grand fanatique, il y avait Pondi. On avait un boulet, pas d'avant. Et on avait un boulet. Et il y a un jour à bantou. Il y a salsa. Non, il y a un bantou. Non, famille à deux. Moi, j'ai des archives.
Il y a papa qui est amusé, il y a une famille à dire. Comme les amis, pour maintenant, surtout, on va quitter Azaïko. Famille à dire. Oui. Je dois le dire aujourd'hui. Mm. Oui, il n'y a pas de questions taboues. Mm. Il n'y aura pas aussi de réponses taboues. Maintenant, surtout, on va parler à Azaïko. À part les personnes qui se sont senties capables de continuer leur carrière sans Azaïko. À part Wimba. Et Voloko. Bakendeki, Bazoa qui atta, les papous à commencer à écouter. Parce qu'ils sont ici. Parce que, Bébé qui va être compétent et capable. Et puis, à Bakabon, il suffit, et Voloko qui a sali langue à langue à star, papa, il va sali vivre la musique. Non, David, non, moi je parle, on n'est pas de Zaïko. On a eu ça. Bandeko, au Bakendeki, papa va vivre Bakini. On peut trouver, tu comprends la parole par qui Zaïko. Or, ce sont des. Nous qui sommes restés dans la Zaïko, c'est nous qui avons fait Zaïko. Eux, ce sont ceux-là que Zaïko a fait leur nom. Comment est la famille Adé? Mais les noms ont vu que Kombo, la famille Adé, ils arrivent déjà en Zaïko, mais Maméloman, ils sont partis. Ils arrivent à afficher mon unité. Vous allez quoi afficher, mais quand ils sont partis, bah créer Zaïko, famille Adé, du coup, ils n'ont pas beaucoup ici, Colombo, non? Zaïko, là, malin, c'était pour faire la différence ou quoi? Sauf d'être avec Colombo, quand on a la carte. D'accord. Parce que, tout ça, même comme. Pardon, parrainage, attends, on a la Petro Zaï, pour Petro Zaï, à Zara, slogan, on a Petro Zaï, Colombo. Ok. J'ai parrainage à Petro Zaï. Ah, ok. Et là, il était passé au petit Colombo pour moi, parce qu'il n'y a pas de rien, non. Mais départ, Wana. Hein? Départ, Wana, Yarbaké. C'était quand même un grand nombre, non? Un grand nombre. Natak, Chanz, oui. Je peux vous accueillir. Lengileng, accueillir. Bimi, on va l'accueillir. Nyokalongo, Tikali, Dadi, Doyen. Dans le bac, Yango. Hein? Dans l'interview, non. Je voudrais que vous soyez vraiment sincère. Mais, si, Nabi, vous soyez sincère. Hein? Moi, ce qui me faisait mal. C'est pas la peur. Ce qui me faisait mal, c'est ce comportement-là. Vous parlez de quel comportement? Oui, Sayo. Moi, ça veut dire ça de l'ingratitude. Comment ça? Ingratitude et des propos diffamatoires. Oh là, on a très bien. D'abord, au moins, quand on va créer, parce que moi, c'est quoi là? Peut-être qu'on va arriver là. Les compétents, parce que tel moment de papa monter à Zaïko. Parce qu'ils se savaient, ils ne sont pas capables de tenir tête à Bichon. On est là, tu vois, là. Ngaï, Matima, Zamangana, oncle à Bichon. Namérique. Ils le savaient. Et moi, dans le bac en haut, l'interview, ils ont appris chez nous. Ils n'ont rien à nous apprendre. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils ont appris ça sur nous. Pas mal à Koloba. Popo Lipo. A Otara Tami National. A Kena Kosa Kosa. Et bête, la performance, on a. A Zona Zaïko. Mais ça devait encore vous rendre fier, non, président? Non, parce que non, on a une analyse. Parce que cette question a été comme si. Non, quand il passe, on a un argétaque. Tous, on a une analyse. Parce que les amis de faire la bâtie qui bat la banini, je ne peux pas tout dire, c'est parce que ça la bat la passe. Président Jossa, c'est vrai. On l'a vu, bâtie, oh, bah, mais moi qui zaki à Zaïko. On l'a vu, bâtie, attends-moi, passez-moi que ça a non. Ça n'a pas choqué, ce départ-là ne vous a pas choqué. Non. Passez-moi, c'est normal. Attends, le lot. Je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. Non, ça veut dire. On dit que séparation, non, c'est ça la rapace. C'est ça la rapace. C'est ça la rapace. Je l'avais dit.
il y avait une émission, il y a tête à tête entre Ngaïna Nabimi, avec Boloro Nzakwa. Je l'avais dit, et ça la passe. Et passe ma casse à l'île. Tant que je suis au Valibou, Bayerio, voilà, on a tombé en amas, après ce jour-là, on a refusé un salon pour des bêtises. Un exemple, tant que je suis au on a accusé nous parlons de quoi? De voleurs. Marie Bambongo. Or, je dis, je suis mort. Azimbo, il y a un problème. C'est mon grand frère Mazaza qui signait le contrat et bien aussi mon bon. Il s'est arrivé à l'homme aussi mon bon en latin. Avant, tu as dit c'est la bisou. Aujourd'hui, tu as porté Zoya. L'éditeur, tu as dit que tu as dit que tu as dit que c'est Mazaza qui vendait le disque. Il me dit que tu as dit que tu as dit disque. Nous allons au thé. On a dit que tu as dit que le gérant de ce bar là, c'était Mazaza. C'était pas nous allons. Et nous allons avoir voleur à nous. Ta photo, c'est moi. C'était en quelle année ta photo? Photo, c'est à Calamité, en 2000. 2000 combien? Ça c'est en 2000, 2022. Photo, c'est à 2019. La nouvelle de Vela Moto, la troisième personne à Saint-Guilé. Hein? La nouvelle de finir. Ah, là, le Belaï. La troisième personne à Saint-Guilé. Oui. Joseph Roger Nokalong. Jesse Jossard. José. N'oublie pas de rendre grâce à Dieu chaque matin, chaque soir, pour ce qui t'es devenu aujourd'hui. C'est grâce à Dieu. C'est pas un hasard. Continue à tenir bon. Zaïko, c'est ton œuvre. Si toi, tu n'étais plus là, Zaïko n'allait plus exister. Parce que tous ceux-là qui partaient, qui quittaient le groupe, c'était pour que Zaïko disparaisse. Mais Dieu t'a fait grâce. Je ne sais même pas si on devait continuer. Est-ce que ces messieurs peut nous parler de ces moments forts en tant que président de l'orchestre Zaïko Langalang et les moments où il a senti la douleur d'un père. Dans la musique ou dans la vie? Dans la musique. Dans la musique. J'ai parlé en tant que président du groupe Zaïko. Oui. La première douleur, c'est le départ de Wimba et Boloko. Ça fait très mal. Ça fait très mal. J'avais l'espoir qu'avec cette rencontre, avec nos aînés, la 1, 2, 3, que... Non, il y a vraiment tout et tout. Les acteurs, il y a sur la terre, il y a des volontés. Parce que ça faisait très bien. Ça m'avait fait très mal. Très mal. Et, au départ, il y avait Bim, il y avait Bim. Bim, il est dedans, je ne croyais pas à ça. Les autres pouvaient partir, mais pas André. André Bimiombal. Ça m'a fait très, très mal. Très mal. Très mal. Et au moins douloureux, bien que séparé, la mort de Bim, ça m'a fait très, très mal. J'étais pas sur place à Kinshasa. Il cherchait à me parler.
J'étais en Afrique du Sud pour mixer notre album Bande Annonce, la chanson Beau. Une parenthèse que je veux ouvrir, bénis-moi, pasteur, moi, serviteur de Dieu. Pardon? Bénis-moi, serviteur de Dieu. Il était? Bénis-moi, en étant serviteur de Dieu, en dehors des hommes. Il était devenu serviteur de Dieu. Non, on avait gardé les hautes montagnes. Ok. Bimi, c'est mon frère, on peut prendre. Et sa femme qui m'annonçait la nouvelle, j'étais en plein studio avec Fidio Longa pour lui dire José Rosap. On a fait du sud dans sa message. Il m'appelait par. C'est mon numéro RTL. On a fait du sud, moi j'utilisais mon numéro Vodacom. J'avais très mal. Très mal. Et la deuxième personne qui m'a appelé, c'est papa et moi. Comme il m'appelle, président, on ne peut rien faire. Notre frère vient de partir. Mouta est à l'hôpital. On n'entend que toi. On n'entend que toi. Tout ça va dire, marche plutôt. Donc on l'a passé. On l'appelait éminence. Donc on éminence très bien. C'était. Aussi très douloureux, mais comme le départ de papa Imba. Aussi dans le temps, le départ de notre grand frère qui était notre fondateur, David Mwanda. Et le moment de gloire des Aïko. Le moment de gloire des Aïko. Il y a plusieurs. Il y a eu des petits moments. Des petits moments où. Je me disais que vraiment, nous sommes forts. Quand est-ce que vous avez dit ça? Oui, parce que dans les temps, il y avait ce genre de concert organisé par, on appelait ça RTP, la radio télépublicité de la Voix du Zaïre, au Palais du Peuple. Les Zaïko, quand ils sont cassés, sur les images, on va être au Ghanaï Baron. Isaïko contre Yokalokoli. Tu connais Yokalokoli. Isaïko contre Isifi. Un de toi. Tu connais Isifi. Parce que quand je suis à Goudou, il va y avoir beaucoup de pancartes. Ok. Hein? Pas pour moi. Mais c'est quand, avec cette épopée, que j'ai été exécuté. Quand Zaïko a été déclaré deuxième orchestre africain de les Antilles d'Afrique après le Kassam en 86. Ça a été un moment de gloire. Un moment de gloire. Là, c'était New Kalong en tant que président du groupe. Maintenant, New Kalong en tant que père et homme. Quels sont ces moments de gloire et de douleur? Le moment de gloire, pour moi, c'est à chaque fois qu'il y a naissance dans ma famille. Tout à l'heure, vous m'avez parlé, que je vous ai dit que nous ne sommes que deux. Dieu m'a donné 8 enfants et aujourd'hui, j'ai plus de 10 petits-enfants. Voilà, c'est ça mon plaisir. New Kalongo incarne la stabilité. Pardon? New Kalongo incarne la stabilité. La sagesse et le charisme. D'où tirez-vous cette force? C'est vous qui le dites. Ah bon? On ne vous le dit pas? Pardon? On ne vous a jamais dit ça? On l'a toujours dit. C'est parce que vous avez un coach à côté ou bien c'est inné? Parce que j'ai? Un coach à côté, quelqu'un qui vous coach? Non. Bien c'est inné? Non. Le charisme fait partie de votre famille, c'est moi. Sagesse. C'est moi. C'est juste vous. Parce que je suis vrai. Je ne suis pas faux. Toute personne qui est vraie a un charisme. Qu'est-ce qui prouve que vous êtes vrai? Parce que je suis vrai, je ne suis pas hypocrite. On dit de vous aussi un homme très colérique, c'est vrai? Oui, c'est ça l'un de mes péchés. Vous faites un effort? Oui, j'ai fait des efforts. C'est le temps bientôt, est-ce que ces efforts seront continuels ou bien il y a un moment où vous allez vous fatiguer? Oui, comme on dit, moi je suis
un colonel qui prime rien. Quand je le passe, j'ai pour une ou deux minutes. Après, mais je ne suis pas rancunier, mais j'ai une très bonne mémoire. Il n'est pas rancunier, mais il a une très bonne mémoire. Oui. Et ça dit tout. Non. Ça dit tout. Il n'est pas rancunier, mais il a une très bonne mémoire. Ça veut dire, c'est difficile pour lui d'oublier. Non, vous savez, chez nous, il y a mes parents qui me disaient, au village, quand un antilope passe et que le chasseur le rate, cet antilope-là ne pourra plus revenir. Parce qu'il sait que s'il revient là, c'est pas pour être tué. Il ne pourra plus revenir sur le même sentier là, non. On va se séparer très bientôt. Il y a trois questions ici. Je voudrais que vous vous leviez et que vous preniez le premier papier. Bon, prenez bon, tous les trois papiers. Les questions, il faut retourner les papiers. Vous pouvez la lire pour nous. Je crois en Dieu. C'est quoi la question? C'est quoi la question? Nous croyons en Dieu. Je crois en Dieu. Le créateur du ciel et de la terre, et à son fils unique, Jésus-Christ, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, est mort, a été crucifié et mort, a été enseveli. Non, les caca. Et c'était le troisième jour. Et monté aux cieux. Lui, il a assis la droite du Père. Tout d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint. Soit, là, c'est ma profession de foi. Amen. Je peux pas le faire. Voilà. Je suis chrétien et je suis charismatique. Donc, je suis serviteur de Dieu dans notre communauté. Christ, lumière du monde. Que pense Nio Kalongo sur la polygamie? La réponse. Chrétien catholique, je ne peux pas être pour la polygamie. Mon église interdit. Dernière question. Si vous étiez président de la RDC, que feriez-vous pour l'émergence de celle-ci? D'abord, moi, je n'aime pas faire la politique. Enfin, je ne sais pas. De moi-même, je ne ferai jamais la politique. Mais vous savez qu'à votre niveau aussi, vous avez une part de responsabilité. Oui, je le sais. Là où je suis président du conseil d'administration de la société congolaise de droit d'auteur et de droit voisin. C'est pas sur de la politique, je dois faire de la politique. Pas la politique pour le pouvoir. La politique pour, comme vous posez la question, c'est pour l'émergence des salaires différés des musiciens qui est droit d'auteur. Moi, je dirais, aujourd'hui, notre pays est agressé et dans la guerre. Quelle est vraiment les raisons ou la raison de cette guerre? Vous posez cette question. En venant ici à l'émission, dans la voiture, avec mon jeune frère Didier Tangala qui est avec moi ici, je me disais peut-être que Blandine me posait la question sur cette guerre. Je disais, pourquoi il y a cette guerre? La cause de cette guerre, c'est notre sol. Oui, parce que c'est à cause de nos minéraux. S'il y a les groupes armés, c'est à cause de nos minéraux. Est-ce que nos décideurs, quand il n'y avait pas cette libéralisation, ont cédé les carrés miniers à des privés? Il y avait des sociétés nationales, comme Kilomoto, comme la Gécamine.
qui s'occupait de la commercialisation exclusivement de nos minéraux. Il n'y avait pas ce problème. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, nos compatriotes paysans, veulent aussi s'enrichir. Les voisins veulent aussi s'enrichir parce qu'il n'y a pas un contrôle. Il y a cette liberté-là. Moi, je ne sais pas. Au niveau de notre Parlement national, nos élus sont là-bas, qu'ils réfléchissent. Moi, je crois que si on arrive à arrêter cette libéralisation-là de nos minéraux, je crois que chacun restera chez lui. Et je crois qu'il y aura cette autosuffisance alimentaire pour notre pays, au lieu que les jeunes enfants aillent à l'école, au lieu que ceux qui ont l'âge d'aller à l'école ou d'aller au champ, d'aller creuser et mourir dans les carrières minérales, feraient l'agriculture. Qu'on crée des sociétés nationales pour la gestion de nos ressources minérales. Yokalo, est-il fier d'être Congolais de la République démocratique du Congo? Je le suis fier. Si je suis Yokalo, c'est grâce. Le Congo m'a tout donné. Peut-être si j'étais japonais, je ne serais pas Yokalo. Ou si j'étais, je ne sais pas. Ce pays m'a tout donné. Le Congo m'a tout donné. Il y a des jeunes qui voudront être comme Yokalo, qui voudront chanter, danser comme Yokalo. Pardon? Qui voudront chanter, danser comme Yokalo, qui voudront être vrais, comme vous venez de le dire, et surtout être loyal, comme vous l'avez été envers l'orchestre Zaïko Langalang. Est-ce que vous avez un message précis, un conseil à leur prodiguer? Oui. Tout fait partie de l'art. Hein? Chanter, jouer à un instrument, danser, tout fait partie de l'art. Il y a d'abord l'amour. Vous devez vraiment aimer ce que vous voulez faire, le chant, jouer à un instrument, danser, vous devez vraiment aimer cela. Et la deuxième chose, c'est la discipline. La discipline. Sans la discipline, donc vous n'allez pas progresser, vous n'allez pas grandir. Il y a ces deux choses. Merci beaucoup. Tout est bien. C'est moi qui vous remercie. Je vous invite à vous lever. Grande rencontre. Ce n'est pas la présentatrice Blandine Yaba qui va donner son mot de la fin pour clore l'émission. Je voudrais que mon invité les fasse. Papa Nyokalongo, Saint-Père, ces grands monuments. Merci d'abord d'avoir répondu à notre invitation. C'était pour nous un grand plaisir. Un réel plaisir pour Héritage Télévision. La caméra est là. Des annonces et l'émission. Je remercie l'initiateur de cette chaîne de télévision. Merci beaucoup. Merci pour la promotion que vous faites pour le groupe Zaïko Langalanga. Parce qu'il y a beaucoup qui disent, qui le proclament, que Zaïko, c'est le patrimoine national. Mais moi, personnellement, nous, les Zaïko, nous l'avons pas encore senti auprès de nos autorités. C'est un message fort, pour, hein? Pour ne pas faire pour une fausse modestie, moi qui est devant vous, s'il y a les autorités qui me suivent, Zaïko Langalanga, c'est vraiment le patrimoine. Nous sommes la troisième école de la musique congolaise moderne. Moi qui vous parle personnellement, j'ai créé des emplois avec ce phénomène des Atalako. Il y a nos enfants aujourd'hui, les Bill Clinton, les Sylvius Graham, les Kalouji et les autres. Comme on dit, on a comment battre la vie grâce à Atalako. Pendant qu'au départ, même mon frère, Péasonam Wimba, lors du 18e anniversaire de Zaïko, avait dit Zaïko des mamé mamé. Mais après, lui-même, a Zaïko des mamé mamé. Notre frère qui est parti, là, Bouchena Komunaï. Je pense qu'il n'y a pas de dette.
Donc, reconnaissance, c'est à que vous sommes sur quoi avion, non. Dans ma geste. Dans ma geste. Parce que comme je l'ai dit dernièrement avec notre actuel ministre de Finances, M. Nicolas Kazadi, là je parle au nom de tous les artistes. Même ici à Lubumbashi, en particulier le camp Katanga, il y a des talents. Mais pour que ces talents se développent, celui qui joue à la guitare, au synthé, il doit avoir son instrument. Et si au niveau de la douane, vous taxez un instrument de musique qui est comme la truelle de maçon, comme un article de luxe, est-ce normal? Si je veux parler en lingala, mbeli à maçon, vous avez un loco là, article qu'il y a luxe à la douane, ou tsang ou na ding na bino, guitare, même micro dans la zone, même baguette à pamba. Comment vous voulez que la culture en moque et kendi? Kakabi sauté. En tant la peinture, la toile. Ndenge, dans le bagarre au Japon, et tikala na souna na soko, na parole au Japon, lelo, batokomo le wango. La culture, c'est l'identité d'un peuple. Lelo tout le bagarre. Lelo albi, pour ça, là, ça la fausse modestité. Bon, on a Congo sur Ibana. Ibana est d'abord pour la football. Ibana d'abord pour la musique. Ma tata, la musique, le Bosso, ma Wendo, ma Franco. Ils ont colonisé toute l'Afrique à partir de l'Afrique de l'Ouest. Quand tu vois, même l'Inga, la souris, c'est grâce à la musique. Vous pouvez savoir ce par la musique. Les loyaux, Nazo Bunda, pour la copie privée. Pour tous les artistes, pour tout un ministre et la finance, je peux me concentrer sur la copie privée. Il y a un moment donné où il est sacré artiste partout au monde. Toutes les grandes sociétés de droits d'auteur vivent de la, vraiment de la copie privée. Parce que ma téléphone, ma droite, mon aviso, ma droite, mon film, ma droite, ma image, ma téléphone, papier. L'artiste est peintre, parce qu'on a une toile, papier, bah, au salon, bah, livre, la télévision et tout. Tout ça, ça fait partie de la copie privée. C'est-à-dire, moi, rétrocession, Oyo, douane, je fais ça dans la société, il y a droit d'auteur. Pour que l'artiste se passe au privé. C'est ça notre combat. Bah, c'est bien, vous. L'ex-président, il y a Guinée, pour qu'on la signe, il y a ça la fête, la Guinée. Avant, ça a des situations. C'est ce que nous attendons. Je suis la karaté. Et quand c'est ce qui va signer, copie privée, voilà. Je crois que tout le monde a causé là. Parce que je vais faire la même chose pour vous. Parce que monsieur Mogo, tout le monde a au Kumba, on est au Rosso Bartis. C'est tout ce que j'avais à dire. En parlant de la mort, nous parlons quoi de peur de la mort. Peur de la mort, pour aller au paradis, pour rencontrer le Seigneur, il faut qu'on partisse, il faut mourir. Mais personne ne veut mourir. Je n'ai pas peur de la mort. C'est bien qui finit bien. Nyokano Bati, il a lancé un message fort aux autorités. Et à nous, nous disons au revoir et nous restons.